Merci encore d'être venu ce soir pour la dernière conférence de notre cycle de l'année. C'est ce soir avec un grand plaisir qu'on accueille Florent Gulli qui vient d'assez loin quand même, il vient de Besançon pour... Oui quand même. Et il vient donc nous parler de productivisme et d'antiproductivisme. Alors, c'est un thème, d'un dossier de la revue du projet qu'il a coordonné, puisqu'il y est rédacteur, et il est en même temps enseignant de philosophie. Et je pense que on est là en train de... On touche aujourd'hui à un sujet... qui a mis un peu de temps avant d'émerger, ou en tout cas sur lequel il était bon de se questionner, de prendre du recul sans l'adopter à la va-vite. Et je pense que Florian, tu vas nous expliquer ce qui t'a amené à ce thème-là et puis de quoi il retourne à travers ces mots de productivisme et d'antiproductivisme. Donc je te laisse la parole pour trois quarts d'heure, une heure si tu es suffisamment gentil avec moi, et puis après, et je te couperai pas violemment, et après on fera un échange avec la salle. Ok, bah merci de m'avoir invité déjà, c'est bien sympa. Donc je précise, hein, j'ai une formation de philo et pas d'ingénieur, ou de scientifique, donc je n'aborde pas les questions écologiques sous l'angle de solutions techniques, par exemple, à tel ou tel problème. C'est une approche plutôt du côté des concepts. Donc c'est consacré à l'antiproductivisme et puis à la décroissance. Hein, donc ils sont des courants de pensée assez larges, et il peut y avoir un côté parfois un peu flou, il y a une profusion interne. Mais néanmoins, c'est des courants intéressants et qu'il ne faut pas mépriser, je pense. Mépriser en disant que c'est un retour à la bougie ou je ne sais quoi. Mais pas non plus les adopter tels quels, comme s'il ne fallait pas en faire la critique. Et donc, j'essaierai de voir ce qu'on peut en dire. Alors, d'abord, l'intervention sera structurée ainsi. D'abord, une sorte de définition de ces termes, antiproductivisme, décroissance, etc. Ensuite, une question, deuxième point, sur la relation entre trois concepts, productivisme, capitalisme et socialisme. Ensuite, une question à savoir, est-ce que parfois la critique du productivisme ne tombe pas dans une critique de la production industrielle en général? Et enfin, la question des besoins, et de la consommation. Ce sera les quatre points que j'aborderai. Donc, tout d'abord, pour commencer à définir... Je parle plus fort. Les anciens qui sont... Ok. Je fais partie. Donc, pour commencer, le travail de définition, il est un peu compliqué, le travail de définition, parce que, pour deux raisons essentiellement, les partisans eux-mêmes de ces courants, en particulier la décroissance, soulignent eux-mêmes que les mots qu'ils ont choisis, le mot décroissance, par exemple, est un mot qui est mal adapté. C'est-à-dire que, par exemple, Paul Ariès... Vous avez sans doute entendu parler, Paul Ariès, qui est un décroissant français, il écrit un article qui s'appelle « La décroissance, un mot obus ». Et il dit la chose suivante, il dit « Ce mot d'ordre est un mot obus pour pulvériser la pensée économiste dominante ». C'est-à-dire que ce n'est pas un mot, ce n'est pas un concept qui est fait pour désigner une idée, c'est d'abord quelque chose qui vise à secouer les manières de penser, mais en fait le mot décroissance n'est sans doute pas adapté exactement à ce qu'on voudrait dire avec ça. Donc ça, c'est un premier problème, le fait que ceux qui emploient ces termes-là reconnaissent eux-mêmes qu'il est peut-être mal choisi, il ne faut peut-être pas s'en ticher à tout prix à vouloir conserver le terme. Serge Latouche, qui est un autre décroissant, écrit dans Le Paris de la décroissance la même chose. Il dit, en toute rigueur, il conviendrait de parler au niveau théorique d'accroissance, comme on parle d'athéisme, plutôt que de décroissance. Voilà. Donc le problème de définition est largement lié au fait qu'il fallait trouver un mot qui puisse marquer les esprits, mais ils ont quand même réussi à trouver un mot qui marquait les esprits, c'est dorénavant relativement connu, le mot décroissance. Alors la deuxième raison qui explique que ces termes, à la fois décroissance et antiproductivisme, soient difficiles à définir, c'est qu'ils sont formulés négativement.
C'est ça, ce sont des refus. Voilà, refus du productivisme, refus de la croissance. Et donc ça ne dit pas positivement le projet qui est soutenu. Et ça explique aussi qu'il y a toute une profusion d'idéologies qui puissent se nicher dans la décroissance. Alors par exemple, en 2012, les éditions Goliath publient un livre qui s'intitule « Notre décroissance n'est pas de droite ». Parce qu'il fallait justement l'expliquer, parce que de plus en plus de courants de droite et d'extrême droite, intéressés par la question du local, du terroir, peuvent investir cette pensée. Voilà. Donc c'est une deuxième difficulté, c'est que c'est un magma de plein de courants, et parfois complètement contradictoires, complètement opposés les uns aux autres. Bon, néanmoins, il faut quand même définir ces termes, encore une fois, même si les mots ne sont peut-être pas extrêmement appropriés. Alors en fait, c'est relativement simple, il s'agit en fait de refuser la production pour la production, la croissance pour la croissance, et considérer que finalement de tels objectifs ne peuvent pas fonder une société humaine. Enfin, croître pour croître, ou produire pour produire, ça ne peuvent pas être les finalités dernières d'une société humaine. Alors pourquoi ? Essentiellement pour deux raisons, parce que croître pour croître ou produire pour produire, soit ça met en péril la nature, et on a pas mal ça en vue quand on pense à la décroissance et à l'antiproductivisme, le fait à cause des dégâts écologiques. Mais il y a aussi, et je pense que c'est tout aussi intéressant pour nous, les dégâts sur l'humanité, mais en tant que genre humain civilisé, pas seulement sur la santé, mais sur l'être humain en tant qu'être civilisé. Il y a énormément de choses dans les courants décroissants là-dessus. Ça s'interroge, qu'est-ce que ça fait à l'être humain, telle nouvelle production technologique, par exemple? Est-ce que ça le dégrade, indépendamment de la santé, hein, est-ce que ça le dégrade ou est-ce que ça l'élève, etc. Alors cette question, cette double question, elle a été formulée, elle rejoint une préoccupation de Lucien Sèvres, qui écrivait quelque chose de similaire, c'est pour montrer la proximité, en fait, dans le questionnement, hein, avec nous. Donc Lucien Sèvres écrivait en 2012, hein, il écrivait « La planète Terre, façon de dire notre habitat naturel, va mal à un point alarmant, la conscience s'en est largement répandue, et il n'est plus de formation politique qui n'inclut au moins dans son discours la cause écologique. » Puis il ajoute « La planète homme, façon de dire le genre humain, va mal à un point tout aussi alarmant. La conscience n'en est pas prise à son niveau de gravité et il n'est pas une formation politique, ne fût-ce que pour nommer à l'égal de la cause écologique la cause anthropologique. » Voilà. Donc il y a deux causes, et dans les courants décroissants antiproductivistes, c'est très présent. Si vous achetez le journal de la décroissance, par exemple, eh bien, on ne parle pas forcément que d'environnement, même peut-être pas majoritairement d'environnement, mais de ces questions, hein, des dégâts que ça crée sur l'homme. Alors sur les dégâts écologiques, je passe, parce que, comme le dit Lucien Sèvres, on est tous un peu au courant, hein, de ce qui se fait. En revanche, voilà, les décroissants et les antiproductivismes ont souligné aussi les dégâts anthropologiques produits par les sociétés de consommation, donc en particulier le fait que les individus soient systématiquement considérés et interpellés en tant que consommateurs, guidés uniquement par leur intérêt privé, par la recherche d'argent. Le fait qu'on défend, on valorise, hein, c'est aussi un ensemble de valeurs, hein, les sociétés dans lesquelles on vit et qui sont censées produire des effets négatifs sur les individus. Alors par exemple le culte de la nouveauté, hein, donc, qui se matérialise dans les objets techniques, hein, voire sans arrêt la dernière génération de tel ou tel objet, mais ce culte de la nouveauté est allé dans la publicité, il a sans doute des effets, hein, bien au-delà de la technologie, et sans doute que le mépris de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est durable, déborde largement, peut-être dans la transmission, hein, des savoirs. Par exemple, ça suppose de recevoir le discours de quelqu'un qui nous précède, et peut-être que le culte incessant du nouveau pour le nouveau discrédite l'ancien. On trouve aussi dans la critique décroissante, hein, la critique d'une sorte d'éloge de la transgression qu'on trouve en permanence dans le discours publicitaire qui transforme toute interrogation sur les marchandises ou toute réticence à se mettre à une nouvelle marchandise comme autant de tabous, des sortes de blocages psychologiques, hein, et la liberté consistant essentiellement à transgresser sans arrêt, à vouloir autre chose que ce qu'on avait auparavant. Hein, donc il y a vraiment une critique de toutes ces valeurs véhiculées par l'économie. Hein, de la même manière, toute pensée des limites, toute idée qu'il faudrait peut-être se limiter parfois ou une certaine mesure, elle peut être assez rapidement ringardisée comme une manière d'être un réac, etc. Et on est vite renvoyé, on est vite accusé de l'être. Et alors, la négation de la pensée des limites, ou le refus de penser des limites, ça peut aussi avoir des conséquences ensuite sur le rapport à l'autorité,
sous toutes les choses que les décroissants mettent en avant et dont ils parlent, hein, qui sont à mon avis, enfin, qui touchent des questions importantes, d'autant qu'ils le relient, voilà, à l'économie. Ils font pas, ce ne sont pas des critiques à la manière de Finkielkraut qui vont nous expliquer que c'est à cause de mai 68 ou je ne sais quoi, de relier au capitalisme et à ses transformations. Donc voilà, la décroissance et l'antiproductivisme, ils ont le mérite d'insister, de se poser la question de ce que c'est que le sens d'une vie humaine dans nos sociétés et que finalement, peut-être le capitalisme aujourd'hui véhicule un certain nombre de valeurs. Voilà, ce n'est pas seulement un problème économique, quoi, il véhicule des valeurs. Qui dévalorise nos existences. Donc voilà, l'idée de ces courants est assez simple. Du coup, il faut arrêter de produire pour produire, de croître pour croître, et puis rompre avec cet imaginaire-là. La question de l'imaginaire, elle est très présente. Voilà, donc si on s'arrête à ces définitions-là, la conclusion, elle est assez facile à tirer, il me semble, c'est qu'on n'a pas d'opposition de principe à avoir avec ces courants, jusque-là. L'idée qu'il faudrait... subordonner la production aux besoins, par exemple, c'est une idée qui a toujours été défendue par les communistes. Hein, donc il y a de ce point de vue-là une convergence des perspectives. Alors ça, je voudrais faire simplement une sorte de petit fleurilège des congrès du PCF depuis 1974, quelques petits extraits, hein, mais qui montrent que cette question, en fait, elle est au cœur, hein, de la réflexion des communistes. Alors par exemple, en 1974, 21e congrès, on peut lire « La fabrication de produits fragiles, vite usés, la multiplication artificielle de certains produits appuyés sur le matraquage publicitaire ne peuvent plus se poursuivre maintenant dans les mêmes conditions de rentabilité. Voilà. » Donc il y a une critique, déjà, sans doute de l'obsolescence programmée, etc., qu'on trouve dès 1974. En 1976, 22e congrès, « Le capitalisme dégrade et gaspille la nature. » La société que nous voulons mettra au premier plan de ses préoccupations la protection et la mise en valeur rationnelle de la nature, le maintien des équilibres écologiques, la préservation des liens des hommes avec la nature. Donc à nouveau, hein, toujours la même idée. En 82 encore, hein, les Verts n'apparaissent qu'en 84. Hein, on est le premier parti qui met ça à l'ordre du jour de ses congrès, hein, avant l'apparition du Parti des Verts. Donc en 82, donc, une cause de la crise, c'est la tendance capitaliste à augmenter les profits en exploitant les ressources naturelles, avec une intensité productiviste qui défie les lois de la nature et aboutit à des destructions. Hein, donc l'idée, le mot même de productivisme apparaît du coup à l'intérieur de nos thèmes. En 2000, hein, nous voulons conjuguer l'économique, le social et l'écologique, nous rejetons tous les productivismes. Donc il y avait une parenté, une proximité, c'est pour ça que ces thèmes-là sont... ces courants-là, on ne doit pas les... Il faut qu'on les lise, quoi, parce qu'il y a des choses à en retirer. Mais néanmoins, c'est ce que je vais développer maintenant, si on a à les lire et à s'y intéresser parce qu'ils disent des choses intéressantes, il y a quand même plusieurs problèmes qui empêchent de se dire communiste décroissant ou communiste antiproductiviste. Alors le premier, donc je vais l'intituler comme ça, le premier problème, hein, en tout cas le premier point, c'est productivisme, c'est analyser le rapport entre ces trois termes, productivisme, capitalisme et socialisme. Voilà. Alors pour ne pas tenir un discours trop général, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, hein, il y a beaucoup de brochures, de sites, je voudrais m'appuyer sur un livre d'un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un philosophe allemand, fin des années 70, hein, il a écrit en 1979 Le principe responsabilité. Donc c'est une sorte d'ouvrage un peu central dans l'écologie. Bon, enfin, il y fait souvent référence, peut-être pas à juste titre, hein, ça c'est encore une autre question, mais en tout cas il est souvent cité. Et donc bon, il dit des choses qui aujourd'hui sont banales, à savoir qu'on a une responsabilité morale, pas seulement à l'égard de nos contemporains, mais à l'égard de générations futures. C'est-à-dire qu'on doit leur léguer une terre habitable, etc. Donc, il formule ça, bon, sans doute un des premiers. Mais ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, il réfléchit à la question écologique en la replaçant dans une sorte de grande philosophie de l'histoire, ce qu'il est advenu de l'histoire occidentale depuis la Renaissance. Et alors, il me semble que beaucoup de réflexions aujourd'hui, de beaucoup de théoriciens antiproductivistes, ils reprennent ce schéma. Et ce schéma, me semble-t-il, est problématique. Donc, je vais exposer rapidement ce schéma. Alors, il appelle ça l'idéal de Bacon, l'idéal du philosophe anglais Francis Bacon, qui est lié à la méthode scientifique et à l'expérimentation. Hein. Et donc, il dit, en gros, avec la modernité, apparu une sorte de nouveau rapport au monde, autour de la technique, qui viserait le confort matériel.
ce qui préoccupait moins les sociétés traditionnelles, avec la modernité apparaît cette espèce de nouveau rapport à la réalité, ou une sorte de domination de la nature grâce à la technique, et dans le but de satisfaire les hommes. Et en gros, il attribue à cette espèce de nouveau rapport au monde tous les problèmes écologiques contemporains. Il écrit, hein, la promesse de la technique moderne, elle s'est inversée en menace, voilà, à partir des années 60-70. Alors ce projet-là, il ne nomme pas productivisme, mais au fond, c'est ce que la plupart aujourd'hui appelleraient productivisme, une sorte de nouveau rapport au monde où le monde n'est vu que comme... la nature n'est vue que comme chose à exploiter. Alors, ce projet étant défini, Jonas, il dit que ce projet s'est incarné ensuite de plusieurs façons dans l'histoire moderne. Et sa première incarnation, c'est le capitalisme. Donc le projet productivisme prend d'abord comme visage le capitalisme. Donc pour eux, il y a un concept avant. Le capitalisme, c'est le productivisme, hein, la production pour la production. Et son premier visage, c'est le capitalisme. Puis, au 19e, le socialisme. Donc, le socialisme, il s'est proposé, c'est ça qui nous intéresse, nous, il s'est proposé comme une alternative au capitalisme, mais dans un cadre plus général, qui serait le productivisme. Et donc, Jonas fait ça, et beaucoup d'écologistes après lui disent, mais finalement, le socialisme, c'est une fausse alternative au capitalisme, il est resté complètement pris dans cette espèce d'idéal technique de domination de la nature, et finalement, nous, on va rompre plus radicalement que les communistes, enfin que le socialisme en général, et ce sera l'écologie. Donc l'écologie peut renvoyer dos à dos capitalisme et socialisme comme finalement les deux visages d'un productivisme qui sera apparu à l'époque de la modernité. Donc il y aura une espèce de genre comme ça, le productivisme, et puis en dessous, deux espèces, socialisme et productivisme. Donc c'est ce cadre-là qui est très présent, il me semble, dans cette espèce de culture antiproductiviste que je voudrais simplement interroger en me demandant s'il est justifié. Cette manière de comprendre l'histoire comme l'apparition d'un rapport au monde et puis qui s'incarne d'abord dans le capitalisme, puis dans le socialisme, qui est la fausse alternative, avec lequel il faudrait rompre évidemment, puisqu'il est une fausse alternative. Donc d'abord, s'intéresser au capitalisme, est-ce qu'on a raison, comme le font les productivistes, les antiproductivistes, est-ce qu'on a raison de dire que le capitalisme, c'est un productivisme? Alors, la plupart des textes antiproductivistes le disent, hein. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de nier le fait que le capitalisme soit animé d'énormes tendances productivistes à vouloir vendre tout et n'importe quoi, de plus en plus, sans se préoccuper des dégâts environnementaux, etc. Ça, personne n'ira nier ça, c'est absolument incontestable. De la même manière qu'il propose comme seul horizon aux individus l'abondance matérielle, le confort, la consommation, tout le monde est d'accord aussi. Alors simplement, la critique qu'on peut faire, c'est que le capitalisme ne se réduit pas à ça. Ça, c'est qu'un des visages du capitalisme, ça, le productivisme. Et du coup, les anti-productivismes, ils ne voient que la moitié des problèmes posés par le capitalisme. Alors, pourquoi? Parce que le capitalisme, c'est aussi la pénurie. Alors, je prendrai quelques exemples, enfin, il y en a plein, mais par exemple, les médicaments génériques qu'on ne vend pas, il n'y a pas une surproduction de médicaments génériques contre le sida en Afrique. Parce qu'il y a des brevets qui empêchent de fabriquer des traitements génériques et des médicaments génériques, et là le capitalisme organise la pénurie tout simplement parce que c'est rentable de le faire et de breveter les connaissances. Donc on n'est pas du tout dans une logique de diffusion maximale de la connaissance à tout prix qui est dans l'idée de productivisme, mais au contraire, hein, l'idée d'une captation, une privatisation maximale. De la même manière, le capitalisme, il fonctionne aussi par dépossession, hein. Il y a un géographe marxiste, David Harvey, qui explique comment le vol de la terre aux paysans, c'est une pratique du courant du capitalisme. La privatisation des services publics dans les pays du Nord sont bien des logiques qui n'ont rien à voir du tout avec le productivisme. Ce sont des logiques, au contraire, où on prive de plus en plus les populations de ce dont ils pouvaient jouir jusque-là. Donc la critique qu'on peut faire, c'est qu'en fait, le capitalisme, il joue sur plusieurs tableaux. Alors certes, il joue sur le tableau productiviste, hein, il le fait largement, surtout d'ailleurs dans les pays du Nord, mais parfois non. Hein. Et puis il joue sur l'autre tableau, sur d'autres tableaux qui peut être la pénurie, la dépossession. Et donc finalement, les antiproductivistes, ils se trompent en fait sur ce qu'est le capitalisme, ils prennent une des stratégies possibles du capitalisme pour l'essence, hein, pour la nature même du capitalisme, hein, pour l'un de ses visages possibles. C'est pour ça que leur critique, elle manque de radicalité, du coup, hein, quoi qu'ils puissent
quoi qu'il puisse dire. Alors du coup, ça veut dire, on est obligé de proposer une définition du capital, et la définition du capital, hein, c'est un système économique orienté vers l'accumulation illimitée du capital, pas la production illimitée de marchandises. Hein. C'est la production illimitée du capital qui parfois peut prendre la forme de la production illimitée de marchandises, oui, c'est vrai, mais aussi l'organisation de la pénurie par des brevets sur la connaissance. Voilà, donc néanmoins, au passage, quand je dis c'est l'accumulation illimitée du capital, souvent les marxistes ils disent pas ça, ils disent c'est uniquement les moyens de la propriété privée des moyens de production. Alors c'est un peu embêtant comme définition aussi parce qu'on passe du coup sous silence le fait que c'est une recherche illimitée du capital et tout ce que ça implique. Donc certes, eux, les antiproductivistes, ont une définition un peu insuffisante du capitalisme, mais parfois nous aussi. On oublie que c'est pas simplement un rapport social, c'est aussi un objectif, une finalité, hein, qui est la production illimitée de profit. Alors, donc bref, le capitalisme n'est pas subsumable, ça rentre pas dans la case productivisme. Donc maintenant, je voudrais passer au socialisme, qui lui aussi est accusé d'être qu'une variante, qu'un visage du productivisme, et donc ce qui serait étranger par nature à toute question écologique ou au projet écologique. Quand certains inventent le thème d'éco-socialisme, ils valident en fait l'idée. C'est-à-dire que le socialisme tout court, c'est pas écologique. Hein, ils valident l'idée un peu qu'on trouve dans l'écologie que le socialisme n'a rien à voir avec ça, qu'il est étranger avec ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire éco-socialisme, on peut dire socialisme tout ça, tout court, ou communisme tout court. J'ai m'arrêté un peu longuement là-dessus, ce qui nous intéresse plus, hein, on est plus convaincu, ce qui concerne le capitalisme, on n'a pas de doute. Hein. Alors, bien sûr, là aussi, vous pourrez toujours me reprendre sur 2-3 points de détail, hein, c'est immense, le mouvement ouvrier, le socialisme, le communisme, il y a plein de choses contradictoires, il y a évidemment des socialistes qui n'ont jamais dit un mot sur la question écologique, ça c'est sûr, hein, c'est évident. Par contre, moi, il me semble que beaucoup ont posé cette question quand même, et parmi les plus grands. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a une pleine légitimité à dire que cette question a été traitée. Alors, simplement, si vous avez l'occasion, enfin, peut-être pas, mais il y a un gros pavé qui vient de sortir qui s'appelle « La société écologique et ses ennemis » de Serge Audier. Là, c'est un livre de 700 pages et il montre justement la présence du thème chez tous les socialistes du 19e. Donc, il les passe tous en revue, quelles que soient les tendances communistes, socialistes, anarchistes, etc. Donc voilà, Proudhon, Blanqui, Marx, Élisée Reclus, Flora Tristan, William Morris, Thoreau, Kropotkin, Benoît Malon, tous en fait parlent des problématiques écologiques. Il n'y a pas du tout fallu attendre, comme on veut nous faire croire les années 70 pour qu'il y ait une attention à ces questions-là. Alors par exemple, pour ce qui nous intéresse, Engels, dans La situation des classes laborieuses en Angleterre, une sorte d'ethnographie de la vie des ouvriers anglais. Des ouvriers anglais du 19e. Alors, bien sûr, il condamne l'exploitation, il fait des choses sur l'usine, mais pas seulement. Hein, il décrit aussi les conditions de vie abominables des ouvriers, le logement, et il fait des choses sur la pollution. Il parle de la pollution de l'air, par exemple, en 1845. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il ajoute, hein, il dit que tant que la pollution ne concerne que les quartiers ouvriers, en fait, la bourgeoisie s'en fiche complètement. Hein, c'est pas du tout un sujet de préoccupation de la part des philosophes. Et dès lors que elle concerne la ville entière, alors tout à coup, des philosophes libéraux, bourgeois vont se mettre à se dire que finalement, c'est une question importante. Donc ces gens-là ne se contentent pas simplement de parler d'écologie, ils apportent un point de vue socialiste sur l'écologie. C'est-à-dire qu'il faut croiser la question de la nature avec la question des classes. Et ça, je pense que c'est une vraie originalité qu'on pourrait avoir. Et il y a des études, par exemple, qui montrent que on n'est pas exposé de la même manière au risque écologique selon notre origine sociale, dans un pays, puis aussi à l'échelle mondiale. Alors, par exemple, aux États-Unis, les usines polluantes, les plus polluantes, sont toujours installées dans les ghettos noirs, à Los Angeles ou à Chicago, parce que ailleurs, vous avez tout de suite des armées d'avocats qui viennent pour essayer de dégoûter les projets. Les déchets nucléaires, aux États-Unis toujours, sont enfouis dans les réserves indiennes, parce qu'ils n'ont pas les réflexes de défense par le droit comme on peut les avoir, etc. Donc il y a bien un biais de classe, en fait, dans les risques écologiques. AZF, c'est un lisière d'un quartier populaire, enfin, l'exposition au risque n'est pas la même, et ça, c'est l'apport, il me semble, du socialisme à la question écologique. L'écologie politique, souvent, fait complètement abstraction des questions de classe, et nous, on en a quelque chose à dire ici. Et à l'échelle mondiale, c'est pareil, hein, les déchets électroniques, par exemple, sont envoyés dans les pays du tiers-monde, hein, pour être recyclés. Voilà.
Donc voilà, il me semble que de fait, il y a une présence de ces réflexions et avec un biais intéressant hein, dans la tradition du mouvement ouvrier. Alors, néanmoins, argumentent les écologistes, hein, il y a quand même des raisons de fond, mais c'est vrai que c'est présent, mais il y a quand même des choses de fond dans tout ce mouvement ouvrier qui empêchent d'en faire quelque chose d'écologique. Alors, c'est ce que je trouve Ancionas, hein, notamment le thème de la promesse de l'abondance matérielle. Et donc, il écrit la chose suivante, hein, la surabondance matérielle de la technique moderne est un facteur essentiel dans l'idéal socialiste. Et donc, il dit, les socialistes, les communistes partagent le même idéal que les capitalistes, c'est-à-dire l'abondance matérielle. Ce qui semble validé hein, par plein de textes de Marx, hein, où Marx parle d'abondance, ou la formule qu'on connaît, à chacun selon ses besoins, ça c'est des choses qui font hurler des écologistes, à chacun selon ses besoins, c'est-à-dire les besoins étant sans doute illimités, beaucoup démesurés, bon ben c'est incompatible avec les limites physiques de la planète. Alors, néanmoins, on peut répondre hein, des choses à cela. D'abord, le thème de l'abondance matérielle dans le socialisme, dans le mouvement ouvrier, il n'est pas aussi important que veulent bien dire les antiproductivistes. Alors, Ancionas, par exemple, il pense que c'est la force motrice du socialisme. Si les gens ont adhéré au socialisme, c'est par cette promesse. C'est parce qu'on leur promettait l'abondance matérielle. Et du coup, le socialisme, puisqu'il s'appuie sur les masses, il y en a remis une couche hein, pour insister sur... l'abondance matérielle, alors c'est une lecture, ça, du socialisme, qui est en fait la lecture bourgeoise. C'est-à-dire que les classes populaires sont intéressées exclusivement par la satisfaction des besoins matériels, de bas besoins méprisables, alors que nous autres bourgeois, nous avons des buts beaucoup plus spirituels, etc. C'est une lecture bourgeoise, c'est-à-dire on peut tout à fait considérer que c'est pas ça du tout le moteur de la lutte des classes. Que c'est des luttes pour la dignité, pour être reconnu en tant qu'être humain, pour ne pas être méprisé. C'est d'abord et avant tout ça. Enfin, on voit bien dans les textes de Marx une tonalité morale là derrière. On ne veut pas être traité comme des chiens. C'est pas l'abondance matérielle du tout hein, qui est le moteur. Donc voilà, il accorde une place à ce thème qu'il n'a pas du tout dans les luttes concrètes. Et deuxième chose, le mot abondance lui-même, qu'on trouve en effet dans les textes de Marx, en réalité, n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Hein, et en fait, les écologistes projettent du coup un sens contemporain dans le passé pour dire « Regardez, c'était déjà là. » Mais en fait, non, c'est juste un court-circuit. Hein, donc l'abondance pour un socialiste du 19e, c'est pas l'abondance pour une star du foot aujourd'hui, pour un émir qatari, pour Nicolas Sarkozy, pour je sais pas. Voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, on peut en trouver. Alors, en même temps, le terme n'est pas défini parce qu'ils ont une sorte de... Ça va soi un peu dans tous ces textes, ce que c'est que l'abondance matérielle. C'est pas défini, mais il y a un bouquin qui s'appelle L'utopie collectiviste, écrit par un prof de Montréal, qui a recensé toutes les petites brochures, il ne s'est pas intéressé aux grands auteurs, mais aux petites brochures socialistes qui traînaient un peu dans toute l'Europe fin 19e. Et il y a plein d'exemples dedans, dans ces brochures, pour faire comprendre aux gens ce que c'est que le socialisme, sans grande théorie, juste avec des petits exemples. Et il y en a qui parlent de l'abondance matérielle. Alors notamment... on nous explique voilà, comment on sera organisé la consommation après la révolution, et donc on dit il n'y aura pas besoin d'État parce que par exemple il y aura un magasin de chaussures, je pense l'exemple de magasin de chaussures, et puis il n'y aura pas besoin de mettre un policier devant puisque quand votre chaussure elle est usée, vous allez au magasin, vous en prenez une autre, et puis vous avez qu'une paire de pieds, vous n'allez pas partir avec 5 paires de chaussures, donc ce sera l'abondance. Donc l'abondance, sur un exemple comme ça, on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire, j'ai une paire de souliers usés, j'en change, et puis j'en ai... Voilà. C'est pas du tout le luxe, la démesure, le gratte-ciel, le yacht, les jets privés. Hein, donc il y a vraiment une sorte de un peu de malhonnêteté intellectuelle, le fait d'avoir vu derrière ce mot la démesure de la bourgeoisie d'aujourd'hui. Hein, ça n'a rien à voir du tout... Alors le problème, c'est que vu qu'ils ne le thématisent pas, ils n'explicitent pas, pour eux ça va de soi que l'abondance, c'est quand on peut changer de paire de chaussures quand la nôtre est usée. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus dans les textes socialistes du 19e des arguments forts à opposer à la démesure d'aujourd'hui. Parce que ça allait de soi que l'abondance, c'était simplement les comportements que je vous indiquais là. Donc y a pas, on ne trouve pas forcément chez Marx ou des socialistes du 19e des arguments à opposer à la démesure contemporaine ou à des comportements de ce genre. Et du coup, certains disent par exemple, une boutade un peu qui traîne, mais qu'est-ce qu'un communiste pourrait opposer à la station de ski ouverte à Dubaï ? À Dubaï, ils ont ouvert une station de ski dans le désert, ski Dubaï. Le risque, c'est qu'un communiste dise seulement on va la nationaliser. Voilà. Parce que
et peut-être qu'on n'aurait pas plus d'arguments que ça. Je caricature un peu, mais on pourrait peut-être pas aller sur le fond en disant mais que c'est cette histoire de d'ouvrir des. Non, on dirait non, nationalisons tout ça et puis notre programme sera appliqué. Ça. Alors. Donc alors, dernier point sur le socialisme et le productivisme, hein, c'est évidemment l'un des arguments, et c'est un des arguments de Jonas et des anti-productivisme, pour opposer socialisme et écologie, ça consiste à pointer les problèmes écologiques du socialisme réel, hein, du RSS. Même si, hein, alors c'est intéressant quand même, hein, parce que souvent on résume l'URSS à la mer d'Aral et à Tchernobyl, là les critiques formulées précèdent, par exemple Tchernobyl, hein, Jonas c'est 79, c'est intéressant quand même parce que c'est... C'est pas, on n'a pas attendu de Tchernobyl pour considérer que c'était une calamité écologique. D'emblée, ils ont fait le procès du socialisme réel. Alors, bien sûr, hein, y a des défauts, hein, y a sans doute des défauts dans la gestion de la nature par l'URSS, hein, mais je voudrais juste insister sur le fait que la réalité est plus nuancée qu'on ne le dit souvent. Alors, vous avez notamment dans ce numéro une interview d'un philosophe américain, qui s'appelle John Bellamy Foster, qui avait écrit « Marx écologiste » il y a quelques années, et qui est spécialiste des questions écologiques, du marxisme, y compris du RSS. Et donc, je voudrais juste vous lire un petit passage un peu long, mais qui montre qu'il vaudrait mieux ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain en ce qui concerne l'Union soviétique. Donc, il écrit ceci, hein, « J'ai beaucoup écrit à propos de la pensée écologiste en Union soviétique, tout particulièrement en ce qui concerne la période des années 20. À cette époque, la réflexion sur l'écologie en URSS était la plus avancée au monde. » Mais l'essentiel de cet apport a été effacé lors des purges de la période stalinienne. Par exemple, le concept d'anthropocène est un concept soviétique, enfin, d'origine. Les marxistes occidentaux ont eu tort de considérer l'URSS comme monolithique, alors qu'en fait, des luttes se menaient à l'intérieur du système. Alors, je passe un petit peu. Dans une période ultérieure de l'écologie soviétique, après la déstalinisation, il y a eu une énorme activité créatrice. L'Union soviétique possédait la plus grande structure au monde pour la conservation de l'environnement. Et celle-ci était administrée par des scientifiques. Les soviétiques ont élaboré la climatologie la plus avancée du monde, ont été les premiers à alerter sur les dangers du réchauffement climatique. Et je précise, c'est pas du tout un crypto-stalinien nostalgique, hein, le type en question, hein, vous irez lire, pas du tout ce qu'il fait par ailleurs, hein, pas du tout, on ne peut pas l'accuser de ce travers-là. Donc dès 61, un scientifique soviétique attirait le premier l'attention sur ce qu'il appelait l'inévitable réchauffement anthropogénique créé par les activités humaines, en 61. Par la suite, il fit œuvre de pionnier dans l'étude de la biosphère. Le climatologue Fedorov était membre, donc un membre du présidium du Soviet suprême, plaida pour un dépassement des énergies fossiles et des énergies nucléaires au profit du solaire et des énergies marémotrices. Donc, comme nous le savons, les environnementalistes et les écologues n'ont pas eu gain de cause, ou du moins pas autant qu'il eût été souhaitable, mais la puissance acquise par l'environnementalisme soviétique sous la conduite des savants, dont certains étaient membres du PCUS, constitue un phénomène important. Et les débats n'étaient pas de pure forme. On va dire que l'URSS, hein, parce que je parlais des penseurs avant, même l'URSS, les choses sont... Donc il ne s'agit pas de repeindre en rose, hein, le rapport à la nature, hein, il s'agit simplement de critiquer la peinture en noir, qui était faite essentiellement pour des raisons idéologiques. Il s'agissait d'attaquer le communisme et pas de faire le bilan écologique de ce qui s'est passé là-bas. D'ailleurs, dans la revue, hein, Obadiah explique, alors je ne sais pas, il ne cite pas, mais donc, qui est responsable de l'industrie, il dit que quand on défendait l'emploi, on nous reprochait d'être productiviste. Voilà. Parce qu'en réalité, on utilisait toutes flèches de tout bois contre les communistes, y compris celle-là, s'il faut, quitte à être de mauvaise foi. Alors ensuite, si on peut parler, parce qu'on a tous en tête des espèces d'images avec les plans quinquennaux, avec les courbes qui montent, etc., on va rattraper les Américains. Néanmoins, on ne peut pas considérer que cette obsession trouve sa source dans le cœur du système économique. Alors que dans certains contextes, c'est vraiment le moteur du système capitaliste de vendre pour vendre, de produire pour produire. En revanche, pour l'URSS, c'est évidemment des impératifs de reconstruction du pays. Hein, les plans quinquennaux et ses affiches, c'est après la guerre civile 17-21, puis après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des causes à l'extérieur, en fait, de l'idéologie socialiste. Hein, c'est ces plans quinquennaux, il fallait rebâtir et reconstruire un pays. On sait par ailleurs que sinon, c'était aussi une sorte de pénurie relative. Donc on n'est pas du tout dans la société de consommation d'aujourd'hui. Enfin, ça n'a rien à voir, et on,
On sait que, enfin, dans le film Goodbye Lénine, on voit que la mère attend depuis 3 ans sa Trabant. Enfin, on n'est pas dans une logique productiviste. Donc, bref, le capitalisme n'était pas un productivisme, et le socialisme, semble-t-il, non plus. Alors, ce n'est pas nier les problèmes écologiques de l'URSS, encore une fois, mais simplement, c'est dire qu'ils ne viennent pas de là. Ils ne viennent pas d'une obsession pour la production inscrite au cœur de l'idéologie socialiste. Et pour résumer, voilà, ils viennent de la nécessité de reconstruire le pays, la concurrence capitaliste aussi, il faut s'aligner sur les autres. Et puis, on verra ensuite, sans doute, une immaturité industrielle qui explique. Hein, mais ce n'est pas inscrit dans les gènes de l'idéal socialiste. Alors, ce sera dans, je vais passer maintenant à mon second point, justement, de désaccord. Donc ça, c'est le premier, c'est-à-dire cette espèce de philosophie de l'histoire avec le productivisme qui s'incarnerait ensuite. C'est sans doute assez contestable. Hein. Ce ne sont que certains visages du capitalisme qui méritent ce nom. Donc ça permet de relativiser la catégorie. Alors, sur le deuxième point, qui permet de prendre, me semble-t-il, des distances avec ces courants antiproductivistes et décroissants, même s'ils sont intéressants, c'est que la critique du productivisme, parfois, elle ressemble beaucoup, voire est totalement une critique de la production industrielle. On glisse, hein, la critique du productivisme, la critique de la production. Et alors, on le voit, hein, au fond, qu'est-ce qu'il reproche Hans Jonas, le philosophe sur lequel je m'appuie, hein, enfin, c'est une sorte de représentant, mais le problème de l'URSS, c'est pas Tchernobyl, en fait, il a un concept, c'est la civilisation scientifique, technique, industrielle. Et donc, en fait, le mal, c'est ça. C'est la civilisation scientifique, technique, industrielle. Et donc, qu'elle soit capitaliste ou socialiste, on s'en fiche. Le problème, c'est la civilisation scientifique, technique, industrielle. Donc, ici, dans cette partie-là, je vais essayer justement de critiquer un refus latent de l'industrie qu'il y a dans tous ces courants décroissants anti-industriels, qui n'est pas simplement un refus du productivisme, mais il y a un glissement vers un refus de l'industrie et une sorte d'idéalisation de production antérieure. Le local, le petit marché, etc., qui est problématique, hein, parce qu'il ne prend pas du fait qu'on peut penser une autre industrie que l'industrie qu'on a sous les yeux. Une industrie qui soit... alors ça, c'est des expressions un peu bizarroïdes, finalement, mais une industrie, une écologie industrielle, une industrie écologique. Donc voilà ce que je vais essayer de montrer, c'est que finalement, l'industrie, ça s'oppose pas, c'est pas un bloc monolithique. Et ça ne s'oppose pas nécessairement à la question à la nature, à l'écologie, etc. Et qu'il faut plutôt essayer de penser plusieurs stades du développement industriel. Et peut-être que l'URSS, c'est un stade d'immaturité du développement industriel, qu'on a connu aussi, évidemment. Et que néanmoins, on peut penser à une sorte d'accès à un nouveau stade du développement industriel, plus mature, mais à condition de sortir en même temps du capitalisme, puisqu'il n'en veut pas forcément de l'autre stade de... C'est de la maturité. Alors, pour penser une industrie écologique, je voudrais... en fait, il faut sortir une manière de penser qu'on trouve... qui est très largement répandue, bien au-delà de la décroissance de l'antiproductivisme, qui oppose nature et technique. Et donc, nature et industrie. Alors, dès lors qu'on pense comme ça, et qu'on dit que l'industrie pose un problème, bon, bah, la seule manière, puisqu'elle s'oppose, si on veut réhabiliter un petit peu la nature et l'environnement, il faut réduire l'industrie. Sorte de base communicant, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, pour penser une industrie écologique, enfin, si l'expression a un sens, il faut sortir en fait de cette manière de penser les choses, et de l'opposition figée comme ça, entre d'un côté la nature et de l'autre côté la technique. Alors, on a des indications là-dessus chez Marx, hein, qui pense que les choses en interrelation. Et aussi, je voudrais citer juste quelques passages d'un philosophe des sciences, hein, qui s'appelle Georges Canguilhem, philosophe des années 60, qui écrit dans un article des années 70... Il crée un article qui s'appelle « La technique ou la vie ». Et il dit que ce n'est pas la technique ou la vie en réalité. C'est « et la vie hein, » qu'il faudrait dire. Alors, il y a quelques formules comme ça intéressantes. Par exemple, la technique, c'est un fait de la vie. Donc, on n'est pas du tout dans l'opposition homme-nature. La technique, c'est un fait de la vie, c'est-à-dire c'est un développement vital au terme de l'évolution, assez lointain, mais c'est bien une émanation de la nature elle-même. Donc, l'industrie, ce n'est pas l'antinature, c'est... un développement possible de la nature, de cet être naturel qu'est l'homme, hein, qui extériorise ses capacités dans des objets. Hein, donc il dit la technique, c'est la forme humaine de l'organisation de la matière par la vie. Hein, donc c'est pris complètement dans le processus naturel. Alors si on pense comme ça, du coup, l'industrie n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire reculer pour réhabiliter l'environnement, puisque l'industrie, c'est un développement vital. Et donc, du coup, le problème, il est reposé un peu différemment.
Le problème, c'est qu'on a un développement vital, l'industrie, qui menace d'autres développements vitaux. Et la question, c'est qu'il faut re-régler tout ça pour éviter des phénomènes de déséquilibre. Mais on n'a plus l'idée qu'on a la nature d'un côté, et puis ce qui serait hors nature, l'homme, la science, la technique, qu'il faudrait faire régresser pour redonner ses droits à la vie. Donc on a des déséquilibres, une sorte de crise entre deux phénomènes vitaux qui expliquent les désordres écologiques qui sont les nôtres, mais pas une crise entre la nature et puis une hors nature forcément mauvais, qu'on retrouve un petit peu ou suspect, qu'on retrouve dans la décroissance. Donc si on pose ainsi la question, du coup l'objectif c'est de la régler et trouver une manière de régler ce qui a juste que là était peut-être en effet un pouvoir de dérégulation, à savoir l'industrie au 19e et au 20e siècle. Donc, l'objectif est de transformer le mode de production industriel, et ça, il n'y a pas trace de cette réflexion, peu trace de la transformation du mode de production industriel dans les courants antiproductivistes ou écologistes. Il y a plutôt l'idée d'une régression vers un stade artisanal, par exemple, une fascination pour ça, plutôt que l'idée qu'il faudrait changer de mode de production industrielle. Nous voulons sortir, nous voulons changer. C'est ça, alors en changer, ce serait l'accès à un stade plus mature. Alors je voudrais juste donner quelques indications de ce qu'est ce mode de production industrielle transformé. Donc on trouve pas mal de choses là-dedans. Il y a dans celui-là, puis il y a un petit livre qui s'appelle « L'être humain et la nature » à la Fondation Gabriel Péri, écrit par Roland Charionnet et Peter Foulquier. Sur la question où il décrit bien ça, il le décrit à partir d'expériences. Donc cet autre mode de production industrielle, ce n'est pas une utopie, c'est des choses qui existent déjà, en Europe du Nord par exemple, mais pas seulement, et qu'il s'agirait de généraliser. Donc alors notamment, vous avez entendu ça, c'est maintenant dans une partie, l'économie circulaire. Alors, les deux auteurs dont je vous parle, ils disent la chose suivante dans leur bouquin, « Lutte pour le communisme et lutte pour l'économie circulaire, même combat ». Donc ils identifient les deux. Alors l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la volonté de créer ce qu'ils appellent des écosystèmes industriels. Alors à nouveau, c'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas opposé nature et technique. L'idée d'écosystème industriel ou biocénose industriel, on reprend des catégories de la biologie pour l'appliquer à l'industrie. Alors c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il s'agit au fond d'imiter des écosystèmes biologiques. C'est-à-dire que dans un écosystème biologique, il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire que ce qui est produit par un être, en fait, sert de matière première à un autre, sert de ressources à un autre, etc. Donc il n'y a que des flux de ressources et pas de déchets. Donc il faudrait essayer de trouver un moyen, pense l'économie circulaire, d'imiter cela. Donc ça se fait, il y a des choses d'expérimentation au Danemark par exemple, de cela. Donc il s'agit de mettre des industries en réseau, si bien que les déchets de l'une sont immédiatement récupérés comme matière première par l'industrie suivante. Et les déchets de la suivante, ou ces rejets de vapeur, ou que sais-je encore, servent pour les industries. Et donc l'objectif serait de faire un cercle, d'où l'idée d'économie circulaire, où il n'y a rien de perdu. C'est sans doute illusoire, hein, mais en tout cas un horizon, aller vers volonté de fermer le cercle. Voilà. Donc il faudrait aussi trouver du coup une sorte de panachage des industries, parce qu'évidemment ça veut dire, et là ça implique aussi une planification, ce qu'il faut imposer tel type d'industrie à côté de tel autre, parce qu'elles peuvent faire circuit les unes avec les autres. Mais ça on peut le faire avec de la planification. C'est pour ça que le nouveau mode de production industrielle suppose de rompre avec le tout marché dans lequel on vit aujourd'hui. Et je passe sur le fait que ça permet le circuit court aussi, là, carrément, puisque ce serait sur la même zone industrielle. Alors, autre caractéristique de ce nouveau mode de production industrielle, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception des produits. L'éco-conception des produits, c'est-à-dire essayer de concevoir l'objet en vue de sa réparation future. C'est-à-dire ne pas se poser la question de sa réparation une fois qu'il est fichu, mais dès le départ, intégrer alors la question du recyclage, évidemment, mais aussi concevoir les produits de façon modulaire, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse retirer une partie et la changer. Il y a trop souvent des produits aujourd'hui où, une partie étant fichue, on est obligé de tout changer l'appareil. Et donc là, il faudrait intégrer dès la conception, mais ça veut dire entrer dans le processus de production avec des normes, et donc à nouveau se heurter à la propriété, et donc poser des questions que souvent ne se posent pas
les écologistes. Ce qui permettrait de sortir cette conception de l'obsolescence programmée dont on parle beaucoup, qui consiste à programmer des appareils pour qu'ils cessent de fonctionner, pour qu'on en rachète. Troisième aspect, bon, il y en aura d'autres, mais on va aller vite. Troisième, l'économie des usages. Donc l'économie des usages, ça consiste à essayer de fournir un service plutôt qu'un bien. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on vende le service, qu'on vende le service automobile plutôt que la voiture, par exemple. Ou qu'on vende le service d'impression plutôt que l'imprimante. Donc on pourrait imaginer, alors Xerox par exemple, ils font ça, c'est-à-dire qu'ils ont des, ils fournissent ce service, ils vendent un nombre de photocopies et pas d'imprimantes. Et du coup, ils ont d'immenses appareils d'ateliers de réparation. Donc ils ne balancent pas, ils récupèrent, et ils arrivent même à s'en sortir d'un point de vue de la rentabilité, hein, le recyclage et la récupération. Donc on pourrait faire baisser du coup le flux de produits, la ponction des ressources naturelles. Donc je ne sais pas si des automobiles sur le modèle des Vélib, par exemple, c'est un peu c'est l'idée, faire en sorte de ne pas faire baisser le niveau de service, mais faire baisser les objets qui rendent le service. Voilà, donc bref, on peut quand même considérer que les dégâts environnementaux, ils sont plus liés à un état, un stade de développement de l'industrie, plutôt qu'à l'industrie en général, hein, comme laissent trop souvent penser les courants antiproductivistes. Du coup, nous, il faut qu'on se batte. Or, on avait une affiche qui était « J'aime l'industrie et l'écologie », mais il faudrait, voilà, c'est plus pour ou contre l'industrie, ça c'est retombé dans le débat des antiproductivistes. C'est quelle industrie est promouvoir une industrie écologique et une industrie, une écologie industrielle. Donc voilà pour le deuxième point, hein, c'est le glissement qu'il y a trop souvent vers du productivisme à la production industrielle. Et le dernier point que je voudrais aborder, alors je ne vais pas être très, très long, hein, sur ce point, mais enfin c'est une question hyper importante, c'est la question des besoins et de la consommation. Alors l'intérêt quand même du marxisme, c'est qu'il pose la question depuis la production, il considère que la production est un poids plus grand que la consommation. Donc nous, dans notre programme, on part plutôt des questions comment on va changer la production. Alors que les autres parlent tout le temps de la consommation. Ils parlent presque que de ça, et peu et pas très souvent de la production. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de la consommation, il y a des choses à dire. Mais c'est intéressant parce que partir de la production, ça permet d'éviter pas mal de problèmes délicats et de ne pas avoir à se les poser. Mais néanmoins, je vais revenir un petit peu là-dessus, hein, sur la question des besoins. Alors c'est peut-être aussi une question qu'on ne pose pas assez, nous, hein, je ne sais pas qu'on est des gens qui vont là-dessus. Donc, en plus, ça va croître toujours plus, c'est insensé, d'accord, mais les décroissants, on oppose l'idée qu'il faut décroître. Alors que nous, enfin voilà, on dit souvent qu'il y a vraiment un pays. La vraie question, c'est pas décroître ou croître, c'est qu'est-ce qu'on va faire croître et qu'est-ce qu'on va faire décroître. C'est la meilleure objection aux décroissants qu'on peut leur faire, c'est vous ne posez pas la question qu'est-ce qu'ils doivent croître et qu'est-ce qu'ils doivent décroître. Par exemple, il n'est pas question de faire décroître la production de médicaments contre le sida, semble-t-il. Hein, faut-il faire décroître l'offre en matière de formation professionnelle, sans doute pas. Faire décroître la production artistique non plus. Alors évidemment, ils ne le disent pas, ils ne disent pas que les décroissants disent ça, ils ne disent pas ça. Humaine peut faire des choses de ce genre. Hein. Enfin, ils ne le disent pas, mais du coup, ils conservent quand même l'idée des croissances. Voilà, que ça décrit mal, finalement, on tombe sur ce vidéo au départ, hein, ça décrit mal l'idée qu'ils veulent mettre en avant. Alors, donc, c'était si on se dit, voilà, il y a des choses qu'il faut décroître, qu'il faut faire croître, et d'autres qu'il faut faire décroître, du coup, on prend position sur la question des besoins. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a des besoins qui sont plus essentiels que d'autres. Des besoins qui sont plus vrais que d'autres. Et ça, c'est une question qui est assez délicate. Alors, dans l'Antiquité, les philosophes faisaient ça. Alors, toutes les sagesses de l'Antiquité vous expliquent qu'il y a les vies qui préfèrent l'écriture de l'enfer. Et puis les insensés. L'immense masse des insensés, incapables de vivre comme il le faut. Alors, on voit bien que cette manière de penser aujourd'hui, elle est un peu problématique. Même, hein, c'est cette idée de faire des hiérarchies comme ça en fonction des manières de vivre des gens, en fonction de leurs aspirations, de leurs désirs, etc. C'est quand même quelque chose qui est compliqué. Alors, il y a des raisons historiques. Hein, c'est ce type de pensée hiérarchisante en disant qu'il y a des manières de vivre supérieures à d'autres. C'est quand même le vieux fond de commerce de l'ethnocentrisme, du colonialisme, etc. Il y a des gens qui ne vivent pas comme il faudrait plus vivre. Enfin, donc, c'est quand même normal qu'on puisse avoir des réticences à aller sur ce genre de sujet.
qui n'arriveraient pas à consommer comme il faut, enfin, pas comme nous qui allons. Il y a une sorte de. C'est Pierre Bourdieu qui parle de racisme de l'intelligence, hein, de la part de ceux qui sont dotés en capital culturel, en diplôme, etc., et qu'on retrouve vraiment dans la consommation. Mais c'est quand même présent. Je pense que derrière le bio et le discount, il y a un peu la lutte des classes, quoi, aussi. Hein, pas seulement, mais en partie. Et donc, évidemment, il y a toujours ça dans les choix antiproductivistes qui peut pointer une sorte d'élitisme, comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout de suite dire qu'il y a les besoins, les vrais besoins, les faux besoins. C'est un peu, voilà, on peut tomber dans une forme d'élitisme. Bon, les classes populaires, on peut être en disant de consommation. Il y avait en même temps la critique de la classe ouvrière, qui se sont embourgeoisées. Maintenant, la seule chose qui les intéresse, c'est d'avoir un frigo, d'avoir une automobile, donc ils ont perdu leur combativité. On peut tout compter dessus. Il faut taper sur les étudiants, sur d'autres couches que la classe ouvrière. Donc voilà, il y avait ce mépris-là derrière la critique de la consommation qui, moi, me font penser qu'il faut prendre vraiment des pincettes avec ça. Parce que, et je préfère prendre des choses depuis la production plutôt qu'aller comme ça tout de suite sur la question de la consommation. Alors, néanmoins, on est obligé, je pense, de faire des hiérarchies et de parler de faire des hiérarchies entre les besoins et les aspirations des gens. Il y a un courant de pensée qui ne peut pas porter de jugement de valeur sur aucun désir, aucune aspiration. À la condition que vous n'agressiez pas votre voisin, que vous ne portiez pas atteinte à sa liberté, tout est légitime. Et tout jugement de valeur, c'est de la discrimination. Alors, ils le font au départ, suite aux guerres de religion en Europe opposant pour l'histoire catholique, ils disent, ben voilà, quand vous mettez vos désirs en avant, vos aspirations, vos valeurs en avant, c'est la guerre. Donc, vous arrêtez de mettre vos valeurs en avant, vous privatisez tout ça, vous avez le droit de penser qu'il vaut mieux manger comme ci ou comme ça, mais c'est purement privé, il n'y aura pas de débat public sur ces questions-là. Il faut imposer une tolérance maximale. Et on ne vous juge pas. Alors, ça a des côtés émancipateurs, hein. On va pas faire des chasses aux sorcières dans les esprits inférieurs aux autres. Mais par contre, on n'a plus aucun outil pour dire que, par exemple, la vie du militant est peut-être préférable à la vie du trader qui se fiche complètement des conséquences. Humaine de ses actes, bourré à la drogue, à vie de prostituée, comme le monde du cinéma américain. D'un point de vue libéral, c'est un choix de vie. Rien à dire. Et nous ne sommes pas plus nobles en tant que militants dans notre vie. Enfin, c'est des choix de vie privés. Ça vous regarde. Voilà. Bon, si vous êtes là-dedans, si vous êtes dans le libéralisme, vous ne pouvez faire aucune critique de la consommation. Enfin, c'est impossible. Donc, moi, ce que je voudrais, juste pour terminer, essayer de faire, c'est comment est-ce qu'on peut la consommation, en hiérarchisant un peu les désirs, les aspirations, sans tomber dans l'espèce d'élitisme indiqué tout à l'heure. Exemple d'élitisme, par exemple, Finkielkraut. Hein, Finkielkraut, il fait ça, lui. Le manga, c'est la décadence. Le rock'n'roll, c'est la décadence, etc. Donc, on voit bien, c'est... Ça peut plaire à des gens d'entendre ça, mais du coup, c'est difficile de ces sujets-là parce qu'on peut vite tomber là-dedans. Sont arbitraires, en plus, hein, c'est les goûts de quelqu'un érigé en modèle et tout autre. Voilà, donc faire gaffe quand on juge des goûts parce qu'on a peut-être tendance à se corriger du coup en norme universelle. Alors, il y a deux manières, normalement, de sortir à peu près pour introduire une critique de la consommation, mais aussi de la production. Alors, la première chose, c'est de considérer que, enfin, c'est essayer d'éviter de juger les désirs en eux-mêmes, mais plutôt leurs conséquences. C'est-à-dire considérer que ce ne sont pas les désirs en eux-mêmes qui posent problème, ils ne sont pas faux, ce ne sont pas des désirs faux, des désirs inessentiels ou superficiels, ou ce qu'on veut, simplement ils ont des conséquences qui sont problématiques. Alors par exemple, manger des bananes en hiver, enfin, je ne sais rien, je vais vous dire les années, je ne connais pas les saisons, mais enfin, manger des trucs en saison ou pas chez nous, en soi, c'est pas dégradant, en soi, c'est pas insensé, c'est pas inessentiel, simplement, ça a des conséquences écologiques, par exemple. Donc, c'est des petites aspirations qu'on peut critiquer, qu'on pourrait mettre dans un programme, que durant saison, par exemple. Et là, on n'est pas en train de juger la vie des gens, on ne dit pas, il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres, qui sont mieux que les autres. Mais simplement, le désir en lui-même, il ne pose aucun problème. Manger ce fruit là, il ne pose aucun problème. Mais dans ce contexte-là, à cette période-là, si. Donc, ça peut être une façon de critiquer, mais en fonction des conséquences, et pas en fonction de mettre ou mettre des Nike, c'est ok, c'est pas problématique en soi peut-être d'acheter des marques. C'est problématique parce que c'est du travail d'enfant derrière, ce genre de choses. Et le désir en lui-même, peut-être qu'il ne faut pas en faire des kilos sur l'aliénation à Adidas ou je sais pas quoi. Ça permet voilà, d'éviter de juger trop directement la vie des gens.
Alors néanmoins, s'il faut quand même hiérarchiser et parler d'aliénation, parce qu'en fait c'est le concept d'aliénation qui va en dessous, c'est-à-dire que s'il faut parler via aliéné, moi je pense qu'on a le droit, et qu'il faut le faire, sinon on est libéral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tombe dans le libéralisme. Alors simplement il faut le faire avec des pincettes. Il faut le faire de manière extrêmement légère, c'est-à-dire interdit d'aller dire ce qu'est une vie convenable, il faut manger ça, 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 ou se comporter de telle manière, ou s'habiller de telle façon, ou habiter à tel endroit, ça c'est irrecevable, mais il y a de manière de vivre, on ne peut pas mettre tout le monde dans la même case. Mais il faut essayer de déterminer en gros des espèces de cadres généraux très larges de ce qu'est une vie à peu près émancipée, une vie aliénée. Mais des cadres très larges, pour ne pas enfermer dans des définitions. Et même si c'est un peu abstrait, très général ce que je vous dis, après ça a des petites traductions quand même, me semble-t-il. Donc par exemple, on pourrait dire voilà, une vie qui n'est pas capable de s'ouvrir suffisamment aux autres, hein, de manière compréhensive, qui perd progressivement cette capacité, c'est une vie qui tombe dans l'aliénation, par exemple. Elle est plus aliénée qu'une vie capable d'être ouverte aux autres, capable de créer des liens, de les renforcer, de les entretenir, etc. Par exemple. Donc, dans le rapport à autrui, c'est plus ou moins aliéné. Alors, du coup, ça permet de dire des choses un peu plus concrètement. Par exemple, on ne va pas faire du film quelconque, on va considérer que les jeux vidéo poseraient un problème. Hein, qu'il faudrait, en tant que décroissant, lutter contre les jeux vidéo. Mais c'est plutôt le jeu vidéo, quand il me renferme et me coupe des autres, etc., qu'on peut considérer qu'il faut faire quelque chose et trouver peut-être des solutions. Et on n'est pas en train de condamner des pratiques de gens, on est plutôt en train de voir à partir de quel moment une pratique devient une forme d'aliénation. Le téléphone portable, ou c'est pas en soi aliénant, c'est des usages des téléphones portables qui peuvent être aliénants. Donc il faut maintenir l'idée d'aliénation, je pense que c'est nécessaire, mais il ne faut pas avoir la mentalité des courants antiproductivistes ou décroissants. Qui eux l'utilisent sans aucune précaution. Et là, on a vu, on stigmatise, hein, c'est de la discrimination à l'égard des gens qui sont toujours des classes populaires. Enfin, l'exemple qu'on prend toujours, les tremplins. C'est un exemple qui revient tout le temps, hein, mais ils ont besoin des tremplins. C'est typiquement le bien auquel peuvent avoir accès des gens des classes populaires. C'est-à-dire que le voyage à l'autre bout de la planète du Pujadas, c'est lui qui disait ça à un moment, face à Koutou, je crois, des balles, il dit, mais les tremplins quand même, les ouvriers cachés des tremplins. Ça, c'est la consommation populaire, donc on peut dire que ça, c'est pas bien. Ça. Et donc, voilà, il faut faire gaffe, il y a toujours un élitisme, alors que lui, Pujadas, qui fait 50 fois le tour de la planète avant, pour aller en vacances, détruit beaucoup plus l'environnement, mais c'est une consommation bourgeoise, et bon, elle n'apparaît pas dans les 10 heures. Contre l'élitisme moral, voilà, pour ça, je pense qu'il faut parler d'aliénation, mais on doit attention. Oui, c'est ça, c'est fait. Donc, simplement, voilà. Si je récapitule les trois points qui font des désaccords avec l'anticollectivisme, c'est l'insuffisance du concept de collectivisme, qui ne permet pas d'appréhender en fait ni le capitalisme ni le socialisme, de l'humeur anti-industrielle, comme vous j'ai partagé du tout, hein, qui est un fantasme en réalité, de faire tourner les remises dans la revers, et trois, le fait qu'il parle trop d'aliénation et sans précaution. Voilà, ça peut conduire à l'élitisme et à la stigmatisation du capitalisme.